Depuis ce matin, 19 juin 2022, les Américains observent la plus jeune fête fédérale ici aux États-Unis d'Amérique. Elle a été officiellement reconnue par le président Joe Biden l'année passée, c'est-à-dire en 2021. La 19e représente la fin de l'esclavage ici aux États-Unis d'Amérique. Il est donc important de connaître son histoire et sa signification. Le 19 juin a pris une importance nationale en 2020 au milieu d'une manifestation nationale après que l'homme qui s'appelait George Floyd et la demoiselle qui s'appelait Breonna Taylor ont été tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. George Floyd et Breonna Taylor étaient tous noirs et leur décès a apporté de la lumière sur les inégalités raciales du système judiciaire américain et surtout sur l'héritage de l'esclavage qui se manifeste très souvent pendant les rencontres entre les noirs et la police. C'est quoi le 19 juin en Amérique? C'est une fête qui commémore la proclamation d'émancipation aux États-Unis d'Amérique. Le président Abraham Lincoln avait publié la proclamation pour libérer les esclaves afro-américains dans les États sécessionnistes le 1er janvier 1863. Mais les esclaves de Clavinson au Texas n'apprendront leur liberté que 2 ans plus tard. Like his son said, freedom is a state of mind. Keep that idea. Free Tommy Eden! Tommy Eden! Free Tommy Eden! Free Tommy Eden! La proclamation d'émancipation signée par le président Abraham Lincoln avait aidé beaucoup d'esclaves. Et le système judiciaire fait des efforts pour réduire les inégalités. Car beaucoup reste encore à faire. Parfait Thierry Mbousse, depuis la Maison Blanche, Africa News, USA.